Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de 3 ans en Afrique, pardon, sur Global Africa Télé Sud. Ravi de vous retrouver encore une fois avec un invité prestigieux. Et cette émission, nous la consacrons à un retour sur la présence de la République démocratique du Congo au Francotech 2024, une présence très remarquée de lauréats sur des innovations durables. Et donc, j'ai l'honneur, vraiment le plaisir de vous présenter la prestation ou la présence de la RDC sur ce stand avec l'ambassadeur Émile Ngoï Kassongo, qui est sur le plateau. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour Carmen. Bienvenue. Merci. Merci de votre présence sur ce plateau. C'est un plaisir, madame. Je sais que vous êtes très occupé. Et donc, encore On une fois, fait merci avec. au nom de la télévision Global Africa Télé Sud. Merci. Alors, nous allons regarder, monsieur l'ambassadeur, la vidéo de la délégation de la RDC au Francotech 2024. Suivant. Nous sommes effectivement une agence qui est à la présidence de la République et nous assurons que la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été traduite dans le Plan national du numérique Horizon 2021, eh bien, soit matérialisée par le gouvernement. Moi, je m'appelle Okan Alain Boma. Je suis directeur général et producteur d'Inres Productions, qui est une société de production d'animation basée à Kinshasa. On a pour objectif de créer du contenu qui vise à valoriser la culture africaine et la culture congolaise à travers des contenus éducatifs. Aujourd'hui, c'est une solution qui permet à de nombreux, des millions de Congolais qui sont exclus du système financier traditionnel d'accéder à de nombreux services financiers en République démocratique du Congo. Il faut savoir que la RDC aujourd'hui, c'est le plus grand pays francophone au monde en termes de superficie et de population. Malheureusement, moins de 10% de la population congolaise a accès aux services financiers. Et une autre contrainte que nous avons en RDC, c'est que nous avons un taux de pénétration Internet parmi les plus faibles d'Afrique. On est à moins de 25%. Aujourd'hui, avec notre solution innovante qui est Express App, nous permettons à de nombreux, à des milliers de Congolais d'accéder aux services financiers, des paiements, des différentes factures, transferts et retraits d'argent, simplement et sans connexion Internet. Donc Express App aujourd'hui est une solution d'accélération de l'inclusion financière en République démocratique du Congo. Merci. Alors notre solution, c'est une enveloppe monumentale intelligente connectée avec panneaux solaires et logiciel de numérisation à temps réel qui permet, la couveuse, elle permet de réguler la température du nouveau-né et de donner la température dont le bébé a besoin à temps réel. C'est-à-dire que si le bébé fait une hypothermie, avec l'intelligence artificielle, elle va réguler progressivement. Et si le bébé fait une hyperthermie, par exemple, il y a un feu de bois qui est très chaud, ou alors il est dans une zone de Sahel, alors la couveuse doit plutôt se refroidir. Tout comme si le bébé a une infection néonatale,
une infection comme la malaria et sa température élevée, la couveuse à réguler et vous signaler sur votre smartphone que on a l'air de vous rapprocher de notre champion en problème. Merci beaucoup. Alors, monsieur l'ambassadeur, quel talent ? Quel talent ? Quel talent ? RDC Pays Solution. Oui, c'est aussi un sentiment légitime, naturellement, des grandes fiertés de voir cette jeunesse congolaise mordue des innovations et aujourd'hui très engagée dans la recherche des solutions à des questions qui sont des questions parfois des problématiques locales. Et donc, ce qu'on vient de voir là, c'est mouvant. C'est juste des hirondelles qui annoncent déjà le printemps. Un seul peut annoncer le printemps. Là, il y en a deux. Oui. C'est-à-dire, il y a un printemps congolais dans les domaines des innovations. Alors, je rappelle qu'il y avait quand même, monsieur l'ambassadeur, il y avait 9 startups présentes au salon Francotech qui avait eu lieu, qui s'est tenu, c'était le 3 et le 4 octobre, en marge du sommet de la francophonie, qui s'est tenu le 4 et 5. Ah. Donc, la RDC était présente avec 9 startups, donc deux lauréats ex-aequo qu'on vient de voir. Et Nous avons reçu à l'ambassade. Que vous avez reçu à l'ambassade. Et évidemment, ils ont été reçus par le président de la République. La RDC avait un grand stand à la hauteur du pays, estampillé RDC Pays Solutions. Et donc par rapport à ce slogan RDC Pays Solutions, souvent on a tendance à dire que les difficultés dans le pays poussent à la débrouillardise des jeunes. Est-ce que c'est vraiment le terreau pour tirer des talents vers le haut ? Oui, nous avons d'abord, c'est plus qu'un slogan, c'est une approche, c'est une vision de la vie, c'est une véritable idéologie. Vous parlez de débrouillardise, nous on appelle ça article 15. Article 15. Oui, l'article 15 qui s'est défini, débrouillez-vous. C'est comme ça que les Quinois, les Congolais en général, appellent les débrouillardises et l'article 15. Vous savez, madame, généralement dans la vie d'une manière générale, là où s'arrêtent les moyens commence l'imagination. Ouais. Et toute cette jeunesse-là, à défaut de moyens, ils mettent en valeur leur imagination pour arriver à des solutions comme cela. Vous n'avez pas d'Internet, vous devez communiquer, vous devez envoyer de l'argent d'un coin de la République à un autre, face à des urgences. Et de là, dans ces défauts de moyens, ils arrivent justement à mettre en place des solutions comme celle-là. C'est une solution, je vous assure, sur le plan local, qui résout fondamentalement les problèmes liés justement aux transactions financières. Oui. Sur le terrain. Sur le terrain. Et surtout, vous avez un pays qui fait 2 346 000 km², qui fait les frontières de l'Europe occidentale. Donc, trouver des solutions. Le pays est grand, c'est vrai, nous en sommes fiers. Pays solution aussi, c'est parce que nous avons des solutions par rapport à la problématique de la transition à la fois énergétique et climatique. Écologique, j'allais dire. Et tout ça, nous avons des énergies, des ressources naturelles aujourd'hui qui participent à la transition énergétique. Et sur le plan climatique, nous sommes du grand bassin du Congo, où la RDC occupe quand même un peu plus de 60% du bassin, avec un écosystème, une biodiversité extraordinaire, avec un écosystème très diversifié. Et une situation géographique enviable. Et essentielle, qui peut faire de la RDC le hub. Oui, le hub de la sous-région. Le hub de la sous-région, c'est un avantage. Le pays a 9 frontières à lui tout seul. Vous imaginez les répercussions d'un développement économique majeur de la RDC. Le décollage de la RDC préfigure
pourrait préfigurer le décollage de l'Afrique. Beaucoup, comme Cheikh Anta Diop, des grands esprits africains, l'ont prédit depuis. Franz Fanon qui a dit que la RDC, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en RDC. Ouais. Les gens voient la gâchette des guerres. Nous sommes un pays pacifique. Nous sommes un pays qui aime vivre en harmonie avec tous ses voisins. Peut-être la gâchette de la croissance. La gâchette de la croissance économique, Carmen, vous avez trouvé le mot. C'est la gâchette de la croissance, c'est comme ça que je voyais les choses. Voilà, la gâchette de la croissance économique est là. Et vous savez, nous sommes un des rares pays qui, même là, il faut vraiment rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, puisque même quand il est arrivé au pouvoir, quelques temps après, c'était la crise du Covid. Crise alimentaire mondiale, crise du Covid, mais la RDC reste avec des taux de croissance positifs. Oui. Donc c'est pour vous dire que la résilience de l'économie congolaise est à la hauteur de la résilience de sa population. D'accord, puisqu'on parle économie, on va parler justement du projet Invest in DRC 2025. Oui. On va revenir sur Francotech après. Je vous en prie. Voilà, et donc je pense que c'est en 2025. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu davantage sur ce projet ? L'avantage de ces projets, c'est que faire découvrir au monde les potentiels diversifiés de la RDC en matière d'investissement. La RDC, c'est un pays où vous amenez un dollar, il va produire plus que ça. À l'époque, je me souviens, le maréchal Mobutu disait un dollar de l'aide extérieure au Congo rapportait 3 dollars aux partenaires qui finançaient. Aujourd'hui, nous disons un dollar investi au Congo, ce n'est pas perdu, c'est davantage. Et nous présentons un certain nombre d'avantages. Nous avons des agences qui ont été créées spécialement gouvernementales, et même au niveau de la présidence de la République, justement pour travailler en permanence à améliorer les climats des affaires. Nous avons un système fiscal aujourd'hui de plus en plus incitatif, les codes des investissements, les codes miniers, ceux qui veulent aller dans les secteurs. Et nous avons tout un pays en gens chers. Nous avons le potentiel aujourd'hui d'être un pays grainier. Vous savez, toutes les projections montrent… De l'Afrique. Oui, de l'Afrique et du monde, même au-delà de l'Afrique. Oui. Au-delà de l'Afrique. Vous avez un pays comme l'Ukraine qui produit des céréales qui s'achètent même en Afrique, qui nourrit même les Africains. La RDC aussi, au regard de ces terres arables, des millions d'hectares des terres arables permettraient demain d'exploiter. Nous n'avons pas un mètre carré de désert en RDC. Lorsqu'on parle du deuxième plus grand pays en Afrique, en réalité, si on exclut les déserts, vous comprenez très bien que la RDC, c'est une géographie aussi extraordinaire et qui permettrait demain, sur le plan de l'agriculture, à construire la sécurité alimentaire, pas seulement pour les Congolais et les pays de la région, mais aussi pour l'Afrique. Alors, je rappelle que DRC Invest in DRC en 2025, c'est un projet qui est porté également par l'ANAPI. L'ANAPI, qui est l'Agence pour la promotion des investissements en RDC. Oui, qui est une grande agence et qui, depuis sa création, est en train d'attirer des milliards en termes d'investissement. En termes d'investissement. Et fait aussi la promotion. Comme l'ANADEC et tous les autres, la promotion de la RDC à travers le monde. Parce qu'on n'a pas assez parlé de la RDC, on n'a pas assez fait connaître la RDC. Nous y sommes, malheureusement, et c'est pour ça que je suis venu en courant. J'ai dit c'est l'occasion d'en parler, Carmen. Parce que jusqu'à présent, lorsqu'on parle de la RDC, c'est un pays qui a les records des violences faites à la femme, n'est-ce pas ? À cause de la guerre que nous subissons à l'est de la République, une guerre d'agression, n'est-ce pas ? Et donc, aujourd'hui, nous disons, il faut voir la RDC aussi autrement. Parfois, les gens vous disent, mais pourquoi voulez-vous que j'aille investir dans un pays en guerre ? Et lorsqu'on l'air subtil l'épicentre de la guerre à l'est de la République, à la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda, particulièrement, eh bien, les gens ne comprennent pas, ils disent, mais c'est la RDC, je ne peux pas faire les affaires à Kinshasa, au Bas-Congo, au Congo central, dans d'autres provinces, parce qu'avec la proximité, j'ai dit non. Entre Kinshasa, par exemple, et Goma, vous avez la même distance qui sépare Paris et Moscou.
Il y a une guerre qui s'est faite en Ukraine avec la Russie. La zone est réputée dangereuse. Personne ne peut aller y investir, mais les gens investissent à Paris parce que ça fait 2000 km. C'est la distance exactement qui sépare le point de Kinshasa par rapport à Goma, où vous prenez le Lubumbashi par rapport à Kinshasa. C'est-à-dire que nous avons une géographie qui nous permet, même dans des situations où nous avons des crises comme la crise que nous avons, qui perdure depuis 30 ans. Il faut reconnaître, lorsque nous parlons de la résilience de nos populations, c'est que pendant 30 ans que nous subissons cette trois décennies dont nous espérons que vraiment c'est la der des der, donc que la communauté internationale apporte son appui pour qu'on respecte les droits internationaux, que nos voisins apprennent aussi à respecter les droits internationaux. C'est tout ce que nous voulons. Toute la charte de l'Union africaine est fondée sur le respect des frontières héritées de la colonisation. Alors aujourd'hui, si on veut envoyer tout ça en l'air, l'Afrique deviendra ingouvernable. Il n'y a aucun pays qui peut se dire, même à 10 000 km de la RDC, qu'il n'aura pas l'impact. Non. Alors, c'est entendu ce que votre plaidoyer, hein, si je peux le dire ainsi, sur la situation politique de la RDC. Nous sommes pour la paix, oui. Nous sommes pour l'intégration régionale, nous sommes pour la convivialité, des relations des parts et d'autres pacifiques et pour lesquelles les peuples et les dirigeants des différents pays africains respectent et travaillent à la solidarité au développement africain. Vous savez, le président Félix-Antoine Tshisekedi, quand il a pris le pouvoir, la première chose, c'est d'aller visiter les 9 voisins pour demander à chacun. Il l'a fait encore récemment, il est allé au Burundi pour demander à ses homologues, à ses collègues, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble en termes d'échanges commerciaux, des productions, et même en termes de solidarité, pour qu'ensemble, nous puissions créer ces développements ensemble. Vous savez, même les développements économiques en Occident, je prends l'exemple de l'Europe, ce n'est pas spontanément que dans chaque pays qu'on a vu l'essor industriel. L'essor industriel est né où ? Il est né au bord de la Tamise en Angleterre. Ah oui, ça prend beaucoup de siècles. Ça a pris beaucoup de siècles. Mais oui, quand ça naît quelque part, et il y a un effet d'entraînement qui fait que ça s'étend dans tous les autres pays. Oui. La RDC n'a pas vocation à se développer seul, en laissant les autres voisins à côté. Nous pensons que le développement de la République démocratique du Congo, avec tous les potentiels qu'il dispose dans différents domaines, ce n'est pas seulement pour le développement de la RDC, c'est de l'Afrique. Lumumba l'a dit et redit plusieurs fois. Alors, monsieur l'ambassadeur, vous êtes également ambassadeur délégué permanent de la RDC à l'UNESCO. Oui. Et quelle est donc la feuille de route de la RDC à l'UNESCO ? Bon, au niveau de l'UNESCO, il faut dire que nous travaillons beaucoup sur des questions de l'éducation. Et il faut comprendre que tout en étant délégué général à l'UNESCO, l'UNESCO a des représentants. Nous avons des zones organisées à travers l'Afrique, ce que nous appelons des structures sous-régionales. Oui. Et aujourd'hui, nous travaillons beaucoup plus sur des questions qui concernent l'éducation. Vous savez, chez nous, par exemple, l'éducation primaire, c'est un grand défi, puisque le président de la République, depuis bientôt 2 ans, a déclenché un programme de l'enseignement gratuit, l'éducation gratuite, l'éducation primaire gratuite. Et je vous assure que cette mesure a été très salvatrice parce qu'elle a permis beaucoup d'enfants dont les parents avaient des contraintes financières pour inscrire les enfants à l'école. Mmh. Aujourd'hui, il y a eu une croissance énorme d'accès. Alors, oui. Ce qui a créé un défi, qui a créé des défis majeurs, parce que vous avez près de 4 millions de plus d'enfants qui prennent le chemin de l'école. Ça veut dire pression sur les infrastructures, ça veut dire aussi pression sur les ressources. Il faut former des enseignants, il faut des moyens. Et tout ça, nous essayons également, dans le cadre des différents programmes de l'UNESCO, qui concerne les domaines de l'éducation. Nous sommes aussi dans le domaine de la culture. Vous savez que l'UNESCO avait adopté la rumba congolaise hein, comme patrimoine mondial immatériel. Avec le Congo Brazzaville. Avec le Congo, bien sûr. On parle du Congo, donc les deux. Avec le Congo Brazzaville, nous faisons beaucoup d'activités là-dessus. Nous avons un agenda sur la rumba.
rumba, c'est l'industrie de la rumba que nous comptons organiser. Vous avez également les aspects culturels. Nous sommes en train de travailler, d'ailleurs aujourd'hui même, poser la question de manière circonstancielle d'ailleurs, puisque ce matin j'ai passé toute la journée à l'UNESCO pour travailler sur le mondial de la culture, un monde culturel. Nous sommes en train de travailler sur un gros projet pour lequel nous, en tant que groupe, membres du groupe Afrique, nous comptons présenter un certain nombre de défis sur le plan culturel dont l'Afrique fait face et pour lesquels nous pensons qu'à travers l'UNESCO, il y aura des solutions en termes de promotion de ces valeurs, culturelles. Il y a aussi des questions liées dans cet agenda, il y a aussi des questions liées aux aires protégées, les parcs, nos parcs nationaux. Il y a des parcs, par exemple, la RDC a toujours eu des fleurons des parcs naturels, mais il faut savoir, madame, tous ces parcs naturels, des Virunga et autres, des Maïko, ainsi de suite, ces parcs aujourd'hui. Et les bonobos se trouvent en RDC. Les bonobos se trouvent en RDC, non loin des Kinshasa, donc au lac de Mavalé. Et donc tous ces parcs aujourd'hui, pour la plupart, sont classés parmi les patrimoines en péril. Et donc il y a un défi pour nous. Pour les sortir de ce patrimoine, oui. Voilà, voilà. D'accord. Donc tout ça font partie de cette feuille de route que nous nous donnons dans les différents secteurs, que ce soit aussi dans les secteurs du patrimoine. D'accord. Voilà. Alors la RDC brille encore dans le monde à travers ses artistes. Je ne vais pas les citer, hein. Vous les connaissez. Mais donc oui. C'est un pont, c'est vraiment un pont entre, je dirais, l'Afrique et les pays en dehors de l'Afrique. Et cette musique congolaise, la rumba, que nous avons un héritage, pas un partage, un héritage. Un héritage. Que nous avons un héritage avec l'autre Congo, les Congo-Brazzaville. Il faut dire qu'elle a été honorée superbement au cours de ces sommets de la francophonie. Oui. Qui lui pensait un jour que la rumba allait être jouée à l'Élysée, en live? Fali Poupa, pour ne pas les citer, est allé un peu plus loin que là où les autres grands artistes congolais sont arrêtés. Taboulet et Franco, ils ont eu l'Olympia et compagnie. Lui, il est allé quand même sur le plan institutionnel. C'était une consécration de cette belle culture de la rumba, parce que ce n'est pas seulement une musique, mais c'est une culture. C'est une valeur culturelle, un trait culturel essentiel. Nos sociétés, notamment dans l'Afrique centrale. D'accord. Parce qu'il faut compter aussi des artistes comme les Boalotins, qui ont marqué aussi les Cameroun, l'Angola aussi. Il y avait un grand artiste angolais qui Matadi Dimabele. Je ne sais pas si l'orchestre soliste, ça vous dit quelque chose. Non, pas vraiment. Qui ont également excellé. C'est toute l'Afrique centrale, au fait. Qui est le bastion de la rumba. C'est vrai que Kinshasa a joué un rôle essentiel, mais on voit que la rumba, sa richesse est très diversifiée. Très diversifiée. Alors, la semaine africaine a eu lieu en mai, monsieur l'ambassadeur. Oui. Oui. C'est un vous retour y étiez, en arrière. Quand même. Mais oui, bien sûr, c'était j'y étais. Magnifique. Donc, vous nous avez vu monter sur la piste en train d'esquisser les pas. Alors, qu'est-ce qui a marqué la présence de la RDC? Il y a eu beaucoup de peintures. C'est vrai qu'on parle beaucoup plus de culture, là, parce que c'est la culture, c'est la diplomatie culturelle qui Oui. La diplomatie culturelle est essentielle parce qu'elle part des fondements. Connaître l'autre, connaître sa culture, facilite la démarche diplomatique, l'approche diplomatique qu'on peut avoir. Et c'est une semaine mémorable. Mémorable parce que nous avons été, entre autres, chargés d'organiser la soirée des galas. Nous avons également... participer en termes d'exposition. Il y a eu une très belle exposition de tous les grands pays africains représentés au sein de l'UNESCO. Et puis là où on attendait aussi la RDC, c'était sur sa gastronomie exceptionnelle aujourd'hui. Et aussitôt la table était faite, aussitôt il ne restait plus grand-chose. Hein. Si vous avez pris du temps, vous n'aurez pas goûté. J'étais venu en retard. Et puis on a eu ces défilés. Extraordinaire, ces beaux costumes qui nous sont venus du Maroc, de l'Algérie, du Sénégal, du Congo-Brazzaville, de toute l'Afrique, les couleurs et cette belle musique de la rumba qui était jouée juste instrumentale avec un artiste de génie qui s'appelle Chimanga Logi. On en garde de très bons souvenirs et puis c'était vraiment la fête.
C'était vraiment la fête. Alors, monsieur l'ambassadeur, je vous dis merci. C'était la fête, comme vous l'avez dit en mai de cette année à l'UNESCO. C'est encore la fête en RDC. C'est encore la fête en Afrique. Parce que, comme vous l'avez dit, l'Afrique est en forme de revolver, mais la gâchette se trouve en RDC. C'est une gâchette économique, culturelle. La gâchette de la croissance, vous l'avez dit. La gâchette de la croissance, oui. Voilà. Avez-vous un dernier mot, monsieur l'ambassadeur ? Le dernier mot, c'est comme chantait une grande artiste que j'aimais beaucoup écouter les fonds de ses chantants, Mireille Mathieu. Dans une des chansons, il appelait que les bons dieux accordent encore à l'humanité 1000 ans de paix. Je souhaiterais vraiment que Dieu, qui nous entend, puisse accorder à l'Afrique, et en particulier à la RDC qui a beaucoup souffert, 3 décennies de guerre pour lesquelles nous cherchons toujours à nous en sortir, qu'il accorde à mon pays 1000 ans de paix. Et vous verrez les miracles congolais. Alors c'est un vœu, je suis sûre, qui sera exaucé. Et donc c'est sur cette note que je dis merci, monsieur l'ambassadeur, de votre présence ici. Je remercie également nos téléspectateurs qui nous ont suivis, qui ont suivi cette émission. Avec un vœu cher de monsieur l'ambassadeur, 1000 ans de paix pour la RDC, c'est une crise qu'on ne parle pas assez. Voilà une occasion pour remettre encore cette question sur le devant, enfin, dans nos discussions. Et donc, merci, vous qui nous suivez de partout dans le monde, de la RDC, de Kinshasa, de Goma, j'espère. Ah oui, surtout, et donc, surtout Goma, oui. La ville martyre. De Goma, nous les avons dans les cœurs. Nous les avons dans les cœurs. Donc, tous ceux qui vivent à Goma sont dans le cœur, sont dans nos cœurs. Oui. Et donc, à très bientôt pour une autre émission de Global Africa Télé Sud avec 3 zones Afrique. Et j'étais Carmel Févillier, j'avais reçu monsieur l'ambassadeur, monsieur Émile Ngoï Kassongo. À très bientôt, au revoir.